Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un exercice d'écriture un peu particulier, parce qu'aujourd'hui, tu vas apprendre à recopier ce qui est écrit à l'écran. D'accord? Donc il faudra bien se concentrer, il y a beaucoup de choses à faire. Regarder l'écran, remettre le nez sur son cahier, regarder l'écran, remettre son nez. Et ça, il faut essayer de faire le moins possible. Et il va falloir bien mémoriser, hein. Tes yeux vont fonctionner comme des appareils photo. Donc pour cet exercice, tu auras besoin des feuilles à carreaux ou de ton cahier orange, si tu as encore de la place. Il te faudra également ton stylo, un crayon de papier, une règle pour faire la frise, un appareil photo pour prendre en photo ton travail, que je puisse regarder, te donner des conseils pour te corriger. Il faudra également mettre sur pause pour figer, hein, pour glacer l'écran, pour tu puisses copier en toute tranquillité. C'est un exercice que tu peux faire seul, sans l'aide de papa et de maman. Voici les deux phrases à copier. Elles sont longues, attention. Si c'est trop long, ne copie que la première phrase. Mais je suis sûr que tu arriveras à faire les deux. Alors attention, je te rappelle que pour bien écrire, il faut lever le moins souvent le stylo. Fais bien attention aux lettres rondes. Quand on va faire une lettre ronde, il faut lever le stylo et fais bien attention aux attaches du O avec le U. Sois aussi vigilant sur la hauteur des lettres. Les T, les D ne montent que de 2. D'accord? Alors que les majuscules, là, vont monter de 3. Quand tu auras fini ton écriture, tu pourras faire la prise. Là, tu peux mettre sur pause le temps de faire ton écriture. Ensuite, tu pourras passer à la frise. Regarde bien les interlignes ici. Les interlignes, c'est ça, ce sont des interlignes, d'accord? Là, on a un carreau entier. Un carreau, je monte d'un carreau, un carreau. Je descends de deux carreaux, un carreau. Je monte de deux carreaux, un carreau. Je descends de deux carreaux. Et on fait ça sur tout jusqu'au bout du cahier, jusqu'au bout de la ligne, pardon. Voilà. Donc, je reviens sur l'écriture ici et je t'invite à me montrer ta plus belle écriture. Voilà, je compte sur toi, je te souhaite bon courage.